La situation humanitaire au Soudan se détériore alors que les combats font rage entre l'armée et un groupe paramilitaire rival. Les combats se sont poursuivis autour du quartier général des forces armées soudanaises, de l'aéroport et de la ville adjacente de Bari. La violence s'est poursuivie après trois échecs de tentatives de cessez-le-feu. Le ministère de la Santé a déclaré dimanche qu'au moins 420 personnes ont été tuées et 3 700 autres blessées depuis que les combats ont éclaté le 15 avril. Les réserves de nourriture et d'eau s'épuisent pour des millions d'habitants de la capitale Khartoum. L'aéroport et les hôpitaux de la ville restent fermés. Ceux qui ont eu le courage de fuir les combats sont passés dans d'autres pays.